Yo chill tout le monde. Aujourd'hui sur la chaîne de Manly Game, une nouvelle exploration urbaine à l'Institut d'Orléans. Nous partons aujourd'hui explorer dans une totale ignorance historique qui s'est produite ici, dans ce lieu. Cette histoire dégoûtante et horrible. Voici ce qui reste de la bâtisse ayant accueilli les orphelins de Duplessis. Oh my God! Que oui. Veille-toi de bord pour qu'on soit prêt à partir. De nos affaires. Oh my God. Aujourd'hui, on s'est équipé, on s'est prévu le coup, on essaie d'acheter des lampes. Fait qu'on va sûrement retourner à l'usine plus tard avec ma caméra, la Sony ZV-1, puis on va commencer à filmer. Ça, c'est une classe. Une ancienne classe. Dégueulasse. Thank you.
Oh shit. On y va? Ouais. As-tu besoin de la lumière ici? Oh my god! C'est malade, man. Écho! Hein, vont-tu voir jusque dans le fond? Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est l'entrée principale. Check, on est arrivé de là. On est arrivé de là-bas. Ouais. On fait le tour à droite. La vaisselle. Oups. C'est des coups. Des coups de quelque chose. C'est la moisissure. Les orphelins de Duplessis est le nom donné à des milliers d'enfants orphelins qui ont faussement été déclarés malades mentaux par le gouvernement du Québec. Et donc les orphelins confinés dans cet institut psychiatrique entre les années 1940 et 1960. On considère que c'est le cas le plus important de maltraitance d'enfants dans l'histoire du Canada. Ah, c'est que ça pue la marde, man! Oh, il y a de la marde à terre! Oh, dis-moi les champignons à la porte! Tous ces orphelins seront baptisés orphelins de Duplessis, car cela coïncide avec l'époque où Maurice Duplessis était premier ministre du Québec. Sérieux? Yo! On vient juste visiter! À plusieurs reprises, des enfants enlevés à leur mère célibataire ont été battus, agressés sexuellement et même tués à la suite d'un massacre. Dans les années qui suivent, longtemps après la fermeture de cette institution, les enfants devenant adultes commencèrent à dénoncer les mauvais traitements et les abus sexuels qu'ils avaient subi aux mains des prêtres, des sœurs et des administrateurs catholiques, rappelant les abus par les couvents de la Madeleine. Oh, check les escaliers, je pense. Oh, oui, on ira pas tout de suite. Ouais, les orphelins de Duplessis
affirment qu'ils étaient réduits à l'esclavage, assujets à des abus physiques extrêmes pour des écarts de comportement, ou servant comme de cobayes aux expériences. Oh my God! Ah, oh, c'était tellement souvenir, man. Dans les années 1986, il restait environ 3000 survivants et un groupe important s'est formé, lançant une campagne pour obtenir justice. Ils se sont donné le nom d'Orphelins de Duplessis. En plus de la responsabilité du gouvernement et de l'Église, le Collège des médecins du Québec est ciblé. Après que certains des orphelins eurent trouvé des copies de leurs dossiers médicaux qui avaient été falsifiés, classifiés mentalement déficients. What the fuck, man, un bain? Plusieurs de ces enfants furent assujettis à des variétés de tests médicaments et utilisés dans d'autres expériences médicales. On les relâchait que lorsqu'ils atteignaient la majorité, sans éducation et mal préparés à la vie d'adulte. Le crime et d'autres comportements dysfonctionnels étaient répandus chez eux, étant marqués par les mauvais traitements. Ouais, on va aller voir par là avant. Néanmoins, le gouvernement québécois, Lucien Bouchard, refusa toujours de tenir une enquête et faire toute la lumière sur le scandale. Oh, wow! C'est fucking malade, man. Les escaliers pour descendre sont juste ici. Une petite pièce. Check une porte de garage. Une entrée. Check. Go, on va en bas. Attends, moi, faut que j'aille filmer là, j'ai pas été. Qui est beau ce dessin là, man. C'est quoi, genre une douche ici? C'est bien fucké pareil, hein? Les places. Ça, c'était le mur, mais il est tout défoncé. Ouais. Regarde-moi ça, toute la perte d'espace dans le plafond. C'est laid. Quasiment un étage au complet. Apparemment, ça avait juste tombé, là. C'est juste rendu trop bas. Ah, il y avait du plafond suspendu partout aussi.
regarde la brique, là. Ouais, c'est pas rempli de débris. Regarde les tubes, on regarde de son bas. C'est vrai que ça a l'air beau, même, pareil. Seul. Yo! Qui était là? Ouais. On va-tu voir les autres escaliers là-bas pour descendre? Quoi? On va-tu voir le deuxième du sol là-bas? Ouais. On va y aller.
Yes. Une autre glace. Clairement des plafonds. Je t'aime. Regarde! Les orphelins, servant souvent de cobayes aux expériences, et plusieurs en mourut. En 2004, les membres des orphelins de Duplessis demandèrent au gouvernement du Québec d'exhumer un cimetière à l'abandon dans l'est de Montréal, où ils croyaient trouver les dépouilles d'orphelins qui auraient pu être les objets d'expériences médicales. Selon les témoignages d'individus qui étaient à l'institution psychiatrique citée de Saint-Jean-de-Dieu, le groupe souhaite que le gouvernement exhume les cadavres aux fins d'autopsie. L'espérance de vie des orphelins de Duplessis se situe bien en dessous de la moyenne nationale. En 2010, la presse canadienne estime qu'uniquement 300 à 400 orphelins de Duplessis sont toujours vivants. Qu'il y a un autre escalier ici.
pars faire un tour demain. Est-ce qu'on voit bien ici? Check-moi ça, l'eau là, qu'il y a là. Nous pouvons apercevoir ici le reste des fondations de l'administration. Les bâtiments manquants ont été démolis il y a quelques années de ça. Voici les vidéos qui ont capturé les images des bâtiments manquants. Toutes les vidéos et les photos se trouvent en description de la vidéo. C'est plus de 11 bâtiments qui se trouvent sur ce terrain. Et ça, c'est sans compter l'église qui a été détruite à la suite du verglas de 1997. Il y avait une école secondaire, une école primaire, deux dortoirs pour adolescents et trois bâtiments pour les enfants dont l'un servait de garderie aux enfants des adultes qui y travaillaient. Et ça, c'est sans oublier non plus une grange, un garage, un poulailler, des aires de jeu, une cabane de chasse et des chalets. Tous, malheureusement, ont été démolis. Aujourd'hui, il ne reste que l'école. Ça aurait été tellement malade d'aller les visiter, ceux-là. Là. C'est le même que tout à l'heure. Oh shit. Comment? Y'a pas de place, hein? Ok, on va y sit. Oh yeah. Ça, c'est jamais bien dur, man. C'est plus fun de plier sur un plancher pas solide. On va descendre par les marches qui sont là-bas, à l'autre bout. Tu sais que ta canette, là?
On y va. Voilà une autre exploration terminée. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager ou à vous abonner. Et nous, on se revoit pour une autre vidéo sur la chaîne de Manu Game.